écoutez, il y a d'abord une très forte actualité politique, donc j'espère avoir les grands acteurs de cette actualité politique, notamment la primaire à droite qui va être assez passionnante, évidemment les élections régionales et les préparatifs de l'élection présidentielle de manière générale. Donc ils viennent déjà et on va continuer, on va essayer d'en avoir le maximum, d'avoir le bon interlocuteur le jour dit. Ensuite, j'aimerais aussi, et c'est ce qu'on a déjà fait, essayer d'avoir des témoignages forts, avoir des personnes qui vivent des choses fortes et qui nous parlent. Et c'est vrai qu'avec l'actualité tragique ou des attentats, des migrations, des différentes histoires entre guillemets, c'est presque l'histoire avec un grand H qu'on est en train de vivre. Moi, je crois qu'il faut avoir les gens qui fassent partager leurs émotions, qui passent comme ça à travers l'écran. C'est vrai qu'après le 7 janvier, après l'hypercacher et Charlie, j'ai fait témoignages d'otages, des spécialistes du terrorisme. Bon, tout ça, c'est un sujet très important. J'ai eu de nombreux responsables des services de sécurité qui sont venus expliquer la stratégie en France et tout ça. Donc tout ça, c'est un grand sujet très fondamental. Et puis bon, après, c'est tout ce dont on parle. Pas immédiatement. Pour le moment, on a eu ça un peu dans la tête à un moment, mais on n'a pas de projet très précis. On y a pensé l'année dernière sur le terrorisme et autres, mais on n'a pas été plus loin pour le moment. Donc on verra, mais c'est pas d'actualité. Moi, je suis éditorialiste aussi, donc je commente tous les événements d'actualité. Je suis aux 20h politique avec Alain Marchal et Thierry Arnaud, donc je suis déjà très présente. Et voilà, je suis là et je sais que s'il y a des choses qui bougent et qu'on peut m'appeler, je suis là.